In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives. Fun isn't something one considers when balancing the universe, but this does put a smile on my face. Monde, bienvenue au Geek Vlog. Aujourd'hui, on fait notre deuxième podcast. On va parler de du prochain film des Avengers qui va sortir, Avengers Infinity War. Oh yes, qui est basé en fait sur The Infinity Gauntlet et évidemment la BD de Infinity Wars qu'on n'a pas ici. Mais oui, effectivement. Il va y avoir trois points. Bon, le premier point, ça va être dans le fond nos attentes. Le deuxième point, c'est... À fond, qu'est-ce qu'on pense que ça va changer dans l'univers MCU? Est-ce que ça va être un film seulement de passage, dans le sens où tu regardes l'exemple un film comme Spider-Man qui apporte pas grand-chose à l'univers sauf le fait que Spider-Man est présent, ben, ou etc. Tous les premiers films, c'est l'introduction. C'est ça. Est-ce que ça va être du même genre un peu? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans l'univers MCU? Et, le moindre, est-ce qu'il va y avoir des morts? Donc James, selon toi, c'est quoi tes attentes par rapport au film? Moi, je veux voir des aventures, je veux voir des explosions, je veux voir Captain America arriver avec sa barbe, je veux voir Black Panther se battre contre un gros méchant, je veux voir, d'après le trailer que j'ai vu, je veux voir Thanos se battre contre Spider-Man, je veux voir le nouveau suit à Spider-Man. Le Iron Spider-Man? Premièrement, je suis pas convaincu. Que c'est Iron Spider-Man? Non, je suis sûr que c'est ça, mais je suis pas convaincu qu'il y ait le bon choix d'avoir pris ça directement là, parce que, t'sais, Iron Spider-Man, si on se fait la... On peut pas se faire la bande dessinée vraiment, là, parce que la bande dessinée c'est un petit asiatique là, qui a le saut. Ok. Puis, je connais pas ça. Je trouve que c'est trop tôt dans l'univers de Spider-Man. Ouais, mais là, ils sont pris dans un moment où ils viennent de pouvoir avoir la licence Spider-Man, du moins un arrangement avec Sony qui permet d'avoir la licence Spider-Man pour ça eux. Ça va avoir avec le saut. Non, mais c'est parce que là, j'imagine qu'ils veulent faire développer le personnage le plus rapidement possible. Vu que c'est un des personnages les plus aimés par les fans de Marvel, on dirait qu'ils veulent pousser le plus possible que ce soit de. Là, parce qu'il va avoir un deuxième Spider-Man. Ouais. Qui va avoir Homecoming 2, je pense. Ben, je sais pas si moi ça s'appelle Homecoming. Mais attends, mais... ça, j'ai vu. Ouais. En tout cas. Là, ils nous mettent un nouveau saut. Ils vont comme l'enlever après ça. Moi, c'est ça que j'aime pas. C'est comme, ah, regarde, t'as une épée rouge pour ce combat-là, ouais, après ça, retourne au bout de bois. Mais tu sais, Iron Man, là, il y avait le Hulkbuster, puis... Ils vont le remettre, ouais, là. Ils vont le remettre, mais... Thanos Buster. Il est quand même différent, là. C'est vrai, regarde, il y a une Bubblehead. Fait que Iron Spider-Man, ils vont peut-être le changer un peu, puis encore là, Iron Spider-Man, c'est pas Spidey en tant que tel, puis c'est... Mais en même temps, il va savoir comme les pattes. T'sais, parce que le Iron Spider-Man en tant que tel, il a les trois pattes en métal. En or. On verra dans le film, là, mais. J'espère, en tout cas. Mais tu sais, faut dire aussi, le suit de Spider-Man à base est quand même très technologique, là, comparé à ce qu'il y a dans le nouveau, Fait que... Il est comme ajustable automatique en plus. Ouais, comme le suit dans Back to the Future. C'est hot en maudit, j'aime ça. Fait que Back to the Future de Spider-Man. Mais non, c'est ça, moi je pense pas que. C'est Marty McFly dans le suit. Fait que non, je pense pas que c'est ce soit. C'est ça, Iron Man, c'est Doc Ock. C'est Docteur. Ouais, effectivement. Ouais, mais il retourne pas dans le passé. En tout cas. Fait que non, ok. Puis sinon, t'as-tu d'autres attentes côté histoire? Tu t'attends-tu à ce qu'ils respectent certaines choses? Ça, c'est mon analyse à moi. Moi, j'ai le feeling, je pense qu'on a déjà parlé auparavant. Je crois que ce film-là, ça va être. C'est le côté comme cheesy de l'histoire. Là. C'est le côté encore, il va y avoir deux équipes qui vont se battre. Ils n'auront pas le choix. Parce que dans le fond, Civil War se sont comme séparés. Ouais. Tout le monde en prison encore. Ouais, mais j'imagine qu'ils vont sortir assez vite. Ben oui, les 20 premières minutes du film, ben oui, ils vont être sortis. Certain, mais non, moi je pense que dès que Thanos va arriver, là, ils vont tous oublier. On va avoir besoin du monde. Parce que là, ça va être Iron Man pis sa clique là, de gouvernement. Oh. Qui vont comme attaquer ça. Puis ils vont se dire, hey, on n'est pas assez fort. Ben, je vais faire la paix avec Captain America, qui est lui. Captain America, qui est badass en fuck dans le film, là, en tout cas. Oui. Là, ouais. Il est vraiment badass. Moi, je pense qu'il va comme... Là, c'est ça. Là, c'est le côté cheesy qui va arriver. Là, ils vont s'excuser. Ils vont se mettre en team. Puis là, ils vont comme juste attaquer contre Thanos, puis c'est sa gang. Ils vont faire la paix. Ils vont faire la paix.
Mais comme un couple. Peut-être que tu parles l'amour après. Ça. Non. C'est un peu cheesy. Non. Non, je suis pas prêt à ça. Iron Man prêt. Puis mais, Captain non, mais, America. As-tu bien regardé le trailer? Pas le dernier, là, mettons. Avec mes yeux, oui, là. Okay. Moi, je collais le téléphone sur mon oreille, puis grand Chris, ça va être bon. Ouais, c'est ça. Shout-out Apollo. Je l'ai vraiment regardé, là, tu vois. Ok, ok. Mais si tu vois, mettons, là, Captain America, il est dans la crew avec Black Panther. Puis on dirait qu'il avait l'air d'être en Afrique, Wakanda. Wakanda. Parce que là, Black Panther, il offre les armes, d'où le lien. À la fin de Black Panther. Panther. Exactement, d'où le lien, je crois, qu'ils font comme, ok, ben là, maintenant, on va offrir notre technologie au monde, puis justement. Ben, ils ont pas vraiment le choix avec Thanos qui s'en vient, là. Ouais. Mais ils savaient pas dans le film, là. Mais je me suis informé un peu, puis Thanos a l'air un petit peu overpowered dans le film comparé à ce qu'il y a dans les comics, là. Les comics, il. Dans les comics, ça a l'air fucking fort, là. J'ai lu un peu Infinity Gauntlet, là. Ouais. Puis c'est genre comme. C'est un dieu, là. C'est un legit dieu, là. Il peut tout. Là. Puis sa femme, sa maîtresse, là, sa fille, là, c'est la mort. Ouais, ça, je sais. Qui est comme représenté dans Thor, quasiment. Mm-hmm. Donc, ouh. Peut-être un retour de. Dans le fond, il revient parce que Thor l'a tué. Elle là? Ouais, elle. Elle là? Elle là? Elle là. On n'est pas sûr, mais en tout cas. Mais ouais, non, ok. Mais ouais. Ben moi, pour mes attentes, en fait, je m'attends vraiment, évidemment, de la Bastion. Olivier, toi, tes attentes, c'est quoi? Ah, ok, désolé. Mes attentes, James, mon cher James, d'après moi, c'est il va y avoir pas mal de Bastion. J'ai un peu peur sur le fait qu'il y a quand même genre une vingtaine de super-héros dans le même film. Comment qu'ils vont introduire les Gardiens de la Galaxie? Avec Thor, il est dans l'espace, Thor. Oh, il arrive avec Hulk, avec toute la gang. Mais ça a l'air que Hulk va se faire péter par Thanos dans l'espace, puis c'est ça qui va le ramener sur Terre. Ok. Selon les rumeurs, là. Donc, probablement que les Gardiens de Galaxie vont être là, parce qu'en fait. On voit Rocket Raccoon. Ouais, c'est ça, puis. Ben non, mais ça, on le savait qu'il était pour être là, les Gardiens de la Galaxie. Sa fille, c'est Gamora. Ben c'est pas sa fille vraiment, je pense que c'est juste sa fille adoptive. Ouais, c'est la fille adoptée. Ouais. Fait que non, mais d'après moi, on va parler de Bastion. Le film va finir juste comme genre avec Claire Lamarche, les retrouvailles. Ça va une référence montréalaise. Ça ouais, va être ça. Dans le fond Thanos qui retrouve sa fille, puis c'était ma préférée. Non, ça serait poche. C'est vraiment en poche. Mais moi, j'ai plus l'impression que. Ouais, c'est voir parler de Bastion. J'ai peur, par contre, sur comment ils vont introduire chacun des personnages. Je sens déjà que le monde va faire comme. Ah, il y avait pas assez de Doctor Strange. Ou ah, il y avait pas assez de Spider-Man. Puis ils comprendront pas. On va se dire que, tu sais, il va y avoir beaucoup de Captain America, beaucoup d'Iron Man, beaucoup de Spider-Man, beaucoup de Hulk. Ouais. Mais Hawkeye, il va rester en prison. Non, je pense ouais, il serait pas content de t'entendre parce que ça a l'air que c'est le seul qui a pas eu d'affiche avec lui dessus. Oh, puis il s'en est fait une lui-même, puis il l'a posté sur Twitter puis Facebook. Ah, c'est triste. Ah, ouais, c'est triste. Mais ça, j'ai lu ça, là. Je sais pas si c'est vrai, je l'ai pas vu. C'est le seul qui est pas sur l'affiche? Non, il est sur l'affiche que tout le monde est là, mais il est pas sur l'affiche. Tu sais, ils ont comme fait des affiches promotionnelles de chaque personnage, puis lui, il en a pas. Puis fait qu'il s'en est fait un. Ah, oh, donc là, il est allé chez Bureau en gros, puis il en a fait un. C'est ça, quelque chose du genre. Il s'est ouais. Oh. Ben, il l'a mis sur les réseaux sociaux, du moins. Ah, c'est triste. Ouais. Ok. Pourtant, c'est un bon acteur. Oh, t'as pas l'air d'accord. C'est correct. Je l'ai aimé moi, dans certaines situations, dans certains films, mais je trouve qu'il n'y a pas une gueule. Il n'y a pas une gueule de. Ok. Ouais. Faut que t'aies une gueule de spéciale pour ça. Moi, je trouve qu'il l'a, là. Ok. Mais, non, fait que c'est ça. Fait, c'est d'introduire chacun des personnages d'une façon cohérente. Quoi qu'ils l'ont déjà fait quand même avec Civil War, avec tous les autres films. Mais là, c'est qu'on a beaucoup de têtes d'affiche dans le même film. On a énormément de têtes d'affiche dans le même film. Vraiment, il a dû coûter une beurrée. Il a dû vraiment coûter cher à faire. Mais non, c'est ça. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Côté histoire, j'espère vraiment que ça va amener quelque chose au MCU, peut-être une inquiétude parce que au départ c'est censé être par deux parts. Ouais. Donc j'aimerais ça qu'il y ait une intrigue puis un réel sentiment de ben, on est dans marde. Ça va être dans le fond, ça va être l'intro. J'espère qu'il arrive,
Puis le prochain, ça va être soit les revers de ça, les... Dans le fond, ouais. Le combat ne sera pas fini. Mais j'espère juste qu'il y aura... les conséquences. J'aimerais ça que ça finisse mal, en fait. Dans un. Ça peut pas bien finir. Je pense pas que ça peut bien finir. Ouais, mais c'est Disney, hein. Mais moi, j'aimerais ça qu'à la fin, on fasse comme... Grave. OK, ils ont perdu. OK, puis tel personnage est mort. OK, puis... Puis ça s'arrête okay, demain. Selon toi, OK, d'abord... Là, on arrive à ce point-là qui pourrait mourir. Non, ben, c'est le troisième point, mais on va commencer par lui d'abord, là. Oui. Ben, moi, je pense que... Qui peut mourir... Iron Man meurt. Parce qu'il a pas renouvelé de contrat, tu penses? Je savais même pas qu'il avait mais dans renouvelé le fond, de contrat. Après lui, c'était comme ça finissait, là. Ah, je sais avait, pas. J'ai pas okay. lu s'il avait re-signé pour autre chose. Je sais pas s'il a re-signé. Je sais pas s'il avait re-signé pour autre chose, mais je sais que ça finissait là. Genre, il était pas obligé de participer ou whatever, quoi. Là. Il avait tout fait sur ses contrats, là. C'est 8 films ou 6 films. De quoi de même? Parce que j'ai lu. C'est Internet. Montage, si on a 15 minutes. Hein. Il est juste prêt à lâcher Iron Man. Ah, il est juste prêt. Tu t'appelles-tu? Il dit qu'il est encore là pour. Oh non. En 2013, il disait qu'il était encore là pour deux Avengers. En 2013, t'avais Avengers Age of Ultron, puis Infinity War. Fait que peut-être que c'est la dernière fois. Puis il veut arrêter de façon de jouer Iron Man, ça, je n'avais déjà entendu parler. Mais non, tu t'appelles pas, il y a quelques années, il y avait une affiche. Est-ce qu'il faisait Iron Man 4 ou Sherlock Holmes 3? C'est ouais, mais Sherlock Holmes 3, il est censé sortir. Ouais. Donc, le choix a été fait. Mais. Bizarre! Moi, je pense qu'il va mourir. Oui, parce que moi, ça va être la fille, je pense, que dans les bandes dessinées. Ben, que ce soit Iron Heart ou pas, moi, ça me dérange pas, mais c'est juste parce que ça va créer une division entre la phase 1, 2, 3. Puis la future phase 4 du MCU. Ah, parce que leur but, c'est de créer un univers MCU tellement étendu, mais vraiment, vraiment étendu, qui va faire en sorte que peut-être pendant 20 ans, Iron Man 1 ou Hulk 2, là, ouais, parce qu'en réalité, c'est lui, ouais, c'est lui le premier du MCU, que Hulk 2 soit le vrai premier film Marvel, puis que pendant 20, 30, 40 ans encore, il soit capable de faire des films de super-héros avec une histoire quelconque, etc. Ça va juste se suivre. Je dis peut-être pas 20-40 ans, mais peut-être, mettons, encore 10 ans, on a fait dans le même. Fait que, peut-être... Ils n'auront pas le choix de réintégrer un certain Wolverine. Ils n'auront pas le choix de réintégrer plein de super-héros. Là. Mais là, je pense qu'ils vont le faire. Ouais. Parce que j'ai l'impression que Black Phoenix, qui va sortir avec Jean... Mais ils n'auront pas le choix de le dernier. Ouais, mais je pense pas Inhumans, que ça va être... T'sais, ils ont cancellé les Inhumans. La série qu'ils avaient faite, ouais. Ils ont cancellé après 8. Okay. Moi, j'aimais vraiment ça parce que j'ai été voir, dans le fond, les deux premiers épisodes en IMAX. Puis j'avais vraiment trippé sur le concept. J'ai vraiment envie qu'ils fassent okay. avec Black Bolt. Mm-hmm. Une grosse affaire avec les X-Men parce que les bandes dessinées, les Inhumans contre les X-Men. Donc moi, j'aimerais ça au moins le prochain film des X-Men après Dark Phoenix. Mm-hmm. Ça soit sûr, ça serait vraiment fou. Ouais, mais ils pourront pas l'intégrer au MCU. Là. Mais non. Parce qu'il y a des personnages qui sont dans les deux, genre mais regarde, Quicksilver. Ouais, enfin, mais c'est pas MCU, parce que c'est comme des films en dessin, comme Deadpool. Hein. Pas MCU, hein, mais là... C'est pas lui, MCU, mais c'est dans le Marvel, pareil. Lui, à la limite, c'est quasiment plus facile à intégrer, parce qu'on peut dire juste comme, ah, il a pété le quatrième mur, il a changé de dimension, c'est fait. Le gars, il sait qu'il y a d'autres films de Marvel, genre. Oh, mais c'est le personnage, ouais. Il le sait. Il fait comme... des références, en plus. Mais t'as-tu vu le trailer du deuxième Deadpool? Ouais. T'sais, il est dans la chaise de Professeur Xavier, là. Hmm. Ouais, mais donc, c'est le même. C'est pas Fox les deux? Oh, ouais! Mais c'était acheté par Disney? Oh, ouais. Donc maintenant, ils peuvent tout. Oh, ouais. Mais j'ai vu une affaire, quelqu'un qui disait ça pourrait quand même être assez facile de réunir les deux univers tout en. C'est ultra facile. Ben, avec Doctor Strange. Fait un portail dimensionnel, puis. Ouf. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est tout la même allée. Même si c'est pas les mêmes compagnies, moi, je pense que c'est tout la même timeline. Non, Quicksilver, man. Ah, ouais. Ben, il est mort, anyway. Mais oui. Spoilers, deux ans en retard. Plus que deux ans, mais il est. Ouais, mais il est pas mort dans Marvel. Je sais pas quoi dire. Ah, ouais, t'as raison. Ok, là-dessus, tu me. Tu sais, il y a sa sœur qui est là. Il ferait quoi? Elle m'énerve tellement, celle-là. Ce personnage-là me tente. Scarlet Witch? Ah, me tente. A trop l'air emo. Elle est trop comme. Ah, mes émotions, mon frère est mort. Vision, je sais pas trop ce qui se passe entre les deux. Ouais. Continue. Non, là-dessus, j'étais d'accord, là. Ouais. Vision. Mais ok, d'abord. Qu'on le voit en homme, d'ailleurs, dans l'annonce. Ouais. Et il va mourir, clairement, parce qu'on s'entend que lui, il vit grâce à une Infinity Stone, là. Ouais, c'est vrai. Lui, il va mourir, là.
Lui, c'est sûr qu'il meurt. Moi, j'aimerais ça qu'il emmène. Puis tu l'as dit cette semaine. Pikachu. Non. Pikachu va mourir. Pikachu va mourir dans. Thanos arrive, tu sais, il arrive sur la terre. Il écrase Pikachu. Ah, je finis ça là. Ouais. Non, mais Silver Surfer. Parce que dans la bande dessinée. Ben, il y a des rumeurs qui disent qu'il serait là. Parce que la bande dessinée commence avec Silver Surfer. Effectivement. Qui arrive chez Doctor Strange. Effectivement. Donc, d'où peut-être le lien, j'aimerais vraiment ça. Mais selon les rumeurs, il serait intégré. Puis si oui, ben ça prouve un peu que l'achat de Fox par Disney était prévu depuis un moment. Moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que c'est oui. C'est le cas, là. Ben, oui. C'est tout que comme les compagnies disent, ils l'affichent, mais ça fait comme un mois ou deux que c'est déjà comme signé. Un mois ou deux, ça doit faire un an qu'on en parle. Oh, okay. Chris, on parle de milliards de dollars. Là. Ça se fait pas genre. Ouais. Viens. Yeah. Bon, tu signes ça là. Quand tu veux, je te signe ça. Ou, donne-moi le chèque, je m'en vais. En tout cas, ça veut dire que. Attends que ça fonctionne pas mal. Fait que non, moi je pense qu'effectivement, peut-être que sur faire de l'argent, il serait là. Ça serait niaiseux, c'est lui qui annonce qu'il s'en vient. Dans la bande dessinée, c'est lui qui fait. Ouais, sauf que là, selon l'annonce, j'ai plus l'impression que c'est sa fille adoptive qui annonce que genre. Mais Doctor Strange, il y a un rapport là-dedans pour annoncer quelque chose. Parce qu'il va voir. On le voit à Thor dans la fin. On le voit dans Thor, Ragnar. Oui, mais c'est juste parce que. C'est le lien. Ils finissent là, genre, je vois plus pourquoi. Là. Ouais. C'est comme 4 secondes. Ouais. Il fait descendre Loki pendant 30 minutes. Puis Loki, genre, ça fait 30 minutes que je saute dans le vide. Okay. D'ailleurs, qui était très drôle. D'ailleurs, j'aime beaucoup Loki dans l'univers MCU. Ah, mais il est trop peaceful. Il est trop. Salut tout le monde. Je veux détruire mon frère puis l'univers, mais j'aime les fleurs. Ouais, mais tu sais, il est comique. Moi, je le trouve chill. Moi, je trouve juste qu'il est pas assez fort. Et pourtant, il est super fort à la bande dessinée. Ouais, mais c'est un illusionniste plus qu'autre chose. Oh ouais. Yeah. C'est un trickster. Ouais, c'est ça. C'est un trickster. Okay, mais guys, sinon, ça veut dire que. Allez voir le film, c'est pas vrai. On finit les vidéos là-dessus. Non, mais moi, je pense qu'il va y avoir. C'est ça. Iron Man qui va mourir. Captain America qui va mourir aussi parce que c'est un peu un symbole de la phase. Des trois premières phases. Le film va finir, il peut dire. Hi, Hydra. Oh, ça serait une scène. Ça c'est ils un feront clone. Pas. En tout cas, on spécule. Mais pourquoi ça serait un clone? Non, c'est pas un clone. Parce qu'en ce moment, dans les BD, c'est, là, c'est pas un clone, c'est un agent endormi. Genre. Ouais, c'est ça. Comme Winter Soldier. Ouais, c'est ça. Finalement. Mais je pense pas qu'ils vont aller là. Non, je pense pas. Non, c'est trop difficile. Ce serait fou, ben. Non, mais t'es, peut-être que ça s'en va là. Ouais, on pourrait être surpris. Comme dans les bandes dessinées à la barbe aussi. Blablabla. Croisons les doigts. Mais tout ça pour dire que le prochain Batman, ça va être écœurant. Non, mais ouais. Fait que Iron Man, Captain America, certains personnages, probablement genre Iron. Pas Iron Patriot, mais voyons, War Machine qui va mourir parce que là, il était censé mourir. Là, finalement, il est dans l'annonce. Fait que la main, il est pas mort. Une couple de personnages demain. Et je sais pas. Il peut mourir. À quoi qui sert? C'est ben, ben c'est comme Black Widow là. Moi je trouve pas qu'à part Frenchie et Hulk là. Puis le calmer quand il est fâché là. Il était utile au début. Ouais, mais là après mourir là. Mais ils vont faire un film sur elle. Parfois ils vont tous mourir. Ils vont faire un film sur elle. Ah ouais. Ben selon les rumeurs. Ah, OK. Beaucoup de rumeurs en tout cas. Ouais, mais c'est ça fait que ça sinon qui pourrait mourir. C'est vrai, j'ai vu le poster. Ouais. Je suis pas un menteur. Là. Oh. sinon qui pourrait mourir d'autre tant que je fasse une liste. La date, ça fait genre. Tant, je veux pas qu'il meure. Si, ça fait. Il peut pas mourir. Pourquoi? Parce que. Il meurt à un moment donné dans les BD. Il y a une tall fille, genre. À un moment donné, Marvel ont, comme, je sais pas trop, eu un sentiment de féministe ou qu'ils ont fait tuer toute leur chemin et sont toutes devenues des femmes. On s'égare. Mais il reste qu'il est mort, Tant! Ben oui, mais. Mon point, c'est plus ça. Ils sont tous morts une fois dans les bandes dessinées. Hulk qui est mort récemment, il est revenu. Il est mort deux fois dans les mêmes trois dernières années. Donc. Moi, ce que j'aimerais vraiment, là, que ça finisse finalement. Fait que t'es en train de me dire que mon grand-père pourrait revenir. Oui. Et ma grand-mère aussi. Puis remourir après. Pourquoi je ris à ça, moi? Ma grand-mère, ça. C'est une mauvaise personne. Et nos deux grands-parents, les dates. Oh là là. En tout cas, ça pour dire que. Puis après, ressusciter telle date. Et reparti telle date. C'est Pâques bientôt. C'est ça. Oh là là. Ouais. Non, mais moi j'aime. Ok, mais ça c'est moi, ok. Ce qui serait vraiment fou, c'est que dans le fond, tout le monde meurt.
parce que Logan arrive, tue tout le monde. Ça finit comme Old Man Logan. Puis il y a Hulk qui reste. Puis le prochain film, c'est comme le vrai Old Man Logan. Non. Non. Ça aurait quoi le rapport avec Thanos? Je sais pas. C'est quoi le rapport avec Thanos? Tout le monde meurt. En tout cas. Oui, oui, mais. Ça va arriver dans le fond, Galactus va arriver à la fin. Tout le monde. Ça finit là. Puis que finalement, Silver Surfer disait que c'est pas Thanos le problème, c'est l'autre en arrière. C'est ça. Effectivement. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, guys, à la maison? Ouais, mais t'as pas dit qui tu penses qui va mourir. Mais t'as raison. Moi, je pense que c'est Iron Man part. Il y en a. Mais je pense pas que les deux, Captain America ou Iron Man part. Ah, moi, je pense que oui. Ils ont plus rien. Qui va reprendre ça? Ben là, il y a Spider-Man. Spider-Man, il va toujours être tout seul. Il a jamais été un membre officiel. Il est un membre officiel, mais genre, pas genre ben, tout le temps. Il y a Captain Marvel qui s'en est. Ouais, non, puis Miss Marvel. Captain Marvel, c'est la fille? Non, c'est Miss Marvel. Miss Marvel, en tout cas. Captain Marvel. Ouais. Oui, parce que c'est à cause de ça que Shazam dans DC est rendu Shazam puis plus Captain Marvel. Ouais, c'est ça. Mais, il y a Captain Marvel qui s'en vient. Il y a Black Panther qui est quand même un roi. Elle va arriver. Black Panther, c'est un roi. Là. On s'entend qu'il est capable de gérer. Tout le temps. Oui, mais on s'en fout de ça. Ils vont faire bien ce qu'ils veulent dans les films. Je sais. Puis peut-être qu'Iron Man va ressusciter, peut-être... Dans le fond, le prochain Avengers, c'est Black Panther, Spider-Man, Hawkeye. Il sort à la fin de la prison. Lui, il est tout le temps là. C'est Hawkeye. Il est tout le temps là. C'est le seul qui est genre immortel. Mais il n'y a pas de poster à sa face. Puis il n'y a pas de poster. Mais, yo, t'as toujours une job. Ouais. Tu sais, t'es mais sûr sa, de... Sa femme était quand même chic là, dans la maison. Là. Moi, j'ai trouvé chic. Pas. Je m'excuse, je me rappelle pas. Fait, c'est la fille non, qui fait Velma dans Scooby-Doo. Là. Je m'en rappelle. Moi, j'ai trouvé chic, c'est la jeune, en tout cas. Mais oui, on s'est grand maudit. Hulk, est-ce qu'il va mourir? Hulk, il peut pas mourir. Mais il est mort deux fois. Ouais. En trois ans. Ouais, mais il peut pas mourir dans les bandes dessinées parce qu'ils l'ont envoyé sur une autre planète, ça prends-tu? Parce qu'il était trop dangereux. Oui, mais Thanos, je pense qu'il est assez fort pour tuer Hulk. Ouais, mais c'est parce que Hulk... Personne va crever, c'est ça l'affaire, personne va mourir. Ouais, mais c'est parce que Hulk... L'affaire que je trouverais plate, c'est que j'aimerais ça qu'il fasse un film avec Hulk, mais le problème, je pense, c'est que les droits appartiennent à Universal, où il y a une affaire de même, là. Mais c'est peut-être pour ça, moi, je pense qu'il va mourir. Peut-être. On verra. Parlant de d'autres choses. Puis en fait, tu sais, Thor, dans le fond, c'est un film de Hulk et de Thor. T'sais, je veux dire, il l'a réintroduit. C'est parce qu'il est pas là dans Civil War. Donc il l'a réintroduit. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une. Parce que honnêtement, là. Le bout de Thor et Hulk sur la planète, ça c'est dans une série de Planète Hulk, ouais, qui est genre insane comme histoire. Là. Ouais, mais c'est ça, je te dis, on a profité pour faire comme. Ils ont comme tellement passé ça super vite puis super slow. J'étais comme. Super vite ou super slow? Non, là. Dans le sens qu'ils ont passé. Contradictoire en esti. Non, mais ils ont passé ça vite, mais ils auraient tellement pu en mettre davantage. J'arrive à faire un film juste sur ça. Ouais, mais là. Mais Thor, il n'y a même pas rapport plus dans cette bande. En tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même un film de Thor et de Hulk. Puis que j'ai. Peut-être que Hulk va mourir. Tu sais qu'à date, t'as toujours dit chaque membre de la Ligue. Tout le monde va mourir. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. La Ligue des Avengers. Tout le monde meurt. Tu parles de tout le monde. Mais tout le monde meurt, Chris, dans la BD. Il y a Adam Warlock aussi. Ouais, peut-être. Qui est. Dans la fin de Thor, on le voit. Ben, on le voit pas, mais. L'ennemi, ben pas l'ennemi, mais tu sais, la fille qui contrôle l'espèce de en or, là, la fille tout en or, puis qui contrôle une espèce de civilisation un peu high-tech. Ah oui, là. Oui. Mais c'est une Warlock, elle aussi? Probablement. Bon. En tout cas, elle dit, j'ai créé une nouvelle créature, Adam. Puis tu sais, c'est comme ça finit, puis là... Ah, mais c'est pas dans Thor, ça. Oui. Non. Non. Non, c'est dans Guardians of the Galaxy. C'est... Guardian of the Galaxy, le deuxième. En tout cas, c'est dans Guardian of the Galaxy ou Thor, là. Peu importe. Puis. Je crois que tu as tort. Oh! Jeu de mots! Ouais. Fait que c'est ça, moi je pense que c'est là il va. Lui il va arriver, puis il va tout sauver, mais c'est peut-être dans l'épisode 2, mais dans le part 2 en fait. Ouais, parce que. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben il va sûrement venir. Il est bébé. On va mettre la petite part là, dont non, je il parle. Il est bébé. Bon, mais est-ce qu'il y a peut-être des machines pour faire vivre ça, pour faire grandir ça tout de suite. Mais parlant de c'est une création, elle dit, j'ai créé quelque chose, genre, à moins qu'elle parle qu'elle était enceinte puis qu'elle a accouché, là, mais elle a pas l'air de parler, j'ai donné naissance, elle dit, c'est une création. J'ai plus l'impression qu'elle l'a créé, elle l'a modelé, là, puis elle a demandé à
à Zeus de... Oh non, je me trouve avec Wonder Woman. Un peu Darkseid est arrivé. Puis il a pété la gueule à Thanos. C'est pour dire... Captain America, on revient là-dessus, ok guys, on fait... Il meurt. Non, peut-être, mais les armes, vu qu'il n'y a plus de bouclier... Oh, ils sont malades! Les deux armes... J'allais dire congolais, mais... congolais! Les deux armes, là, qui... Wakanda. Wakanda. Wakandien. Ouais, les deux armes Wakanda. Bon. Ça va être fou, ça, que Black Panther donne des armes comme ça, parce que dans le film, on voit Black Panther, puis la sœur de Black Panther. Les autres Panther. Donc, Little Panther? Putain, bah ouais. Il est là. Il est là. Little Panther? Hey, tu penses-tu? Je passe devant du coq à l'âne, hein, mais vous commencez à me connaître. Je suis comme ça. J'ai un collègue de travail. Parfois, l'histoire, on s'en crisse. Je recommence. Hey, tu penses-tu que. Tu sais, dans Daredevil. 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 C'est pas canon. C'est canon. C'est canon dans la série. Ouais, c'est canon dans la série. Oui, ça se passe entre Avengers 1 et 2. Il en parle-tu? Ils font des références? Oui. Ouais. Ben oui, c'est pour ça que la ville est pétée. Tu sais, quand ils disent genre, ils sont en train de reconstruire la ville, puis que tout. Oh, mais je sais pas, j'ai décroché, j'ai pas trouvé ça bon. Ok. Mais effectivement, c'est moins bon que les films. Mais tout ça pour dire, il y a l'infirmière. Oui. Qui ça se peut qu'elle soit White Tiger? Oh, selon les rumeurs, qu'elle deviendrait White Tiger parce que elle a comme du sang ou candien ou je sais pas trop quoi l'histoire là. On voit-tu sa babine dans le... Dans le... Non. Non. Elle monte pas. Elle se brosse les dents à un moment donné pis ça chaîne dans la bouche. Ouais. Okay. Non, je sais pas. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui parlent de ça parce qu'il essaie... cool. Ouais, mais c'est parce que dernièrement, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils veulent commencer à rapprocher les deux. Parce que la série, toutes les séries télé de Marvel vont arriver à quelque chose. Non, mais toutes les séries Marvel font partie du MCU. Quand c'est Marvel qui le produisent. Je vais recommencer. Je vais écouter ça maintenant. Je vais me mettre dedans. Parce que le Cage, j'ai pas embarqué pas en tout. Puis comme l'arme de Thor, probablement forgée dans The Agent of Chill. Là ça, je dois avouer, merci Internet, puis merci à certains collègues de travail après une discussion. Il y a une arme dans Asgardien dans The Agent of S.H.I.E.L.D. Asgardien? Ouais, Asgardien. Qui, en tout cas, il pète un bâtiment avec un bâton, etc. Là, il y a du monde qui pense que Thor, lui, il n'a plus de marteau. Non, il l'a cassé. La fille, il l'a cassé. Ouais. Donc, il pourrait se reforger une hache, comme on a vu dans l'annonce ou les affaires, avec le bâton dans Asgardien. Dans les années 80, maintenant, il y avait une hache Thor. Ben oui, mais ça c'est correct, hein. Je m'assinais pas que la hache, mais je m'assinais sur le fait que, que moi une hache je trouve ça plus viril qu'un marteau, mais finalement c'est ça, qu'il va forger la hache avec le bâton Asgardien qu'on voit dans Agent of S.H.I.E.L.D. Des fois les internets c'est chill, là. Mais tu sais le monde va aller prendre une référence là pour faire ça, dès que finalement ça sera trop possible. Non mais dans le fond là c'est facile à être intégré là. Le S.H.I.E.L.D. peut arriver et faire « Hey, on a un bâton, on a trouvé un bâton à un moment donné, là, le monde qui écoute à Agent of S.H.I.E.L.D. vont faire « Oh shit, ok, c'est le bâton genre dans l'épisode 7 de la saison 8. » Puis là, ils vont triper. Puis le monde qui n'a pas vu à Agent of S.H.I.E.L.D. vont faire « Bah, ok, un bâton. » Puis genre, ça va juste fitter dans l'histoire. Ouais, peut-être. T'as pas besoin de pousser. Puis White Tiger, ça va être dans les séries et non dans le film. Non, ça serait dans les séries, je pense. Ouais. Parce qu'elle fait partie des Defenders, en fait. Ouais. Puis ça c'est encore moi mes références, ils ont fait une série animée Spider-Man quelque chose and White Tiger. Non mais t'as White Tiger là. Ouais, t'as White Tiger, t'as Iron Fist, t'as Luke Cage pis qui sont les Defenders mais t'as en plus t'as Daredevil. Hein? Daredevil? Non. C'est plate lui qui soit pas dans Guardians of the Galaxy là, l'équipe les peurs de policiers de l'univers là, t'es qui courent après eux pis font un shit là. Ben c'est ça, là, c'est eux que je te parlais tantôt, là, qui ont fait Adam Warlock. Là. Ok, bon, mais eux autres, là, il y a tout ça. Mais c'est dans les Avengers, ils deviennent comme les nouveaux Avengers. Ça se peut. Dans New Avengers, hein. La série animée. Ben, peut-être, mais tout ça pour dire que peut-être que White Tiger, peut-être qu'on va avoir au moins un lien. Mais moi, je pense pas, mais j'aimerais ça pour vrai qu'ils commencent à réunir. Parce que là, c'est cool, tu regardes les trucs de Netflix, là, t'es comme, oh shit, ok, ils parlent des films, tout. Tu le sais que ça se passe, mais. De Punisher va arriver à la fin. Rien. Une balle Thanos. Bang! T'es un. Motherfucker! Hey, encore, je saute de Grand. Pour le monde qui sont fans de pop, là, il y a deux personnages dans la série
Avengers, le Infinity War, mm-hmm. il y a genre deux aliens. Ben moi je pense que c'est juste les acolytes de Thanos. Ouais, parce qu'il y a une couple d'acolytes là, Thanos. Ouais. Ben je pense que c'est juste eux. Okay. On les voit, il y en a un qu'on voit dans la bande-annonce qui contrôle Doctor Strange. Il contrôle Doctor Strange? Ben je sais pas, là, c'est dans la même scène, ben dans le même pattern où quand le Doctor Strange j'ai comme des espèces d'aiguilles dans sur le corps là, puis là okay. Juste après tu le vois rire. Ça, je pense à pas. Ça, je pense que c'est juste son équipe. Mais c'est ça. J'aimerais ça qu'ils commencent à réunir un peu plus leurs univers. Puis tu sais, Marvel, même si je suis un DC fan, Marvel ont l'air d'avoir. Tu sais, ben, pas ils ont l'air. Ils ont un univers cinématographique et télé-série tellement plus grand qu'ils pourraient commencer à les grands faire comme pousser ça ensemble. Mais je sais que là, Disney, ils vont faire un Netflix. Ben, un Netflix, je dis un Netflix, mais une application de diffusion à la Netflix. Donc, Netflix garde les droits de Defender, mais tout le reste, dans le fond, Disney vont développer des nouvelles séries pour Marvel qui vont être encore plus liées avec les univers des films. Fait que peut-être aussi qu'en même temps, peut-être que tout ce qui est Daredevil et compagnie, ils vont peut-être finir par être abandonnés et avoir leur propre universe, genre à eux, puis comme ils vont continuer à fonctionner tout, de leur côté. Mais Iron Fist, ils ont cancellé, hein? Ils l'ont enlevé. Ouais, ça a l'air parce que c'était pas. Moi, je trouvais ça correct. Là. Mais dans le fond, il est dans Defender, puis après ça, on ne verra plus. Oui, il va rester dans Defender. Mais tu sais, Iron Fist. Il faut-tu une saison 2 de Defender? Je sais pas, mais c'était pas si bon. Non, mais je sais, genre 8 épisodes. Tout ce qui est bon là, dans cet univers-là, selon moi, puis on va se faire hate, là, mais c'est Daredevil, puis Punisher. Le reste, là. Jessica Jones, frère, je vais me donner une chance. Là. En tout cas, c'est pas le seul sujet, c'est Infinity c'est War. Pas mais. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça moi, va moi, ce que j'ai hâte de voir, là, on s'excuse, guys, on n'est pas très redonné, mais quand on jase, on se promène. C'est ça un podcast, nous? Suivez. quand Thanos va avoir les gants, le gant. Suis, écoute. Ouais. Quand Thanos va avoir le gant. Ouais. Hey, ça, là, mais il a déjà le gant. Ouais, ouais, mais il est juste tout de tout les Infinity Stones. Ouais. Ça, j'ai hâte de le voir. Ça va être à la fin du film, puis j'aimerais ça que tu finisses là-dessus. T'imagines-tu le film qui finit juste comme tout? C'est peut-être ça le film. Dans le fond, c'est son arrivée. Mais là, c'est plate parce qu'il aurait pu l'appeler Infinity Gov, rendu là, au lieu d'Infinity non, War. Parce qu'ils ont tellement mélangé plusieurs histoires, je pense, pour ça. Ouais. De toute façon, ils ont l'air de faire ce qu'ils veulent. Oh. Moi, je suis pas dans le genre de puristes qui font comme c'est pas comme dans les BD. Ben, gars, si tu veux que ça soit comme dans les BD, ben, lis une BD. Moi, je suis un semi-puriste. Je suis un mi-pu. Un mi-pu? Je suis un mi-puriste, moi, parce que dans le fond. J'aime ça quand ils suivent les bandes dessinées. Oui, mais comme des références. Pas qu'ils réinventent. Ah non, t'aimes pas ça? Moi, j'aime pas quand ils réinventent. Ça. Dans le sens que il est mort dans le film. Pourquoi? Oui, mais tu vas le voir à la suite. Ouais, je sais. Ok, réinvente ce que tu veux. Parce que tu vois, moi. Prends des références, mais reformule pas tout. Si tu chiales parce que c'est pas pareil comme dans les BD, rendu là. Iron Man se bat contre Thanos. Je veux juste voir Spider-Man se battre contre Thanos. Je veux juste voir mes super-héros que j'aime voir se battre en vrai. Un petit c'est gars. Juste de ça. T'es un petit gars. Ouais, pour vrai, moi, je suis un petit gars. Je veux juste voir Spider-Man faire « Hey, guys! » Qu'est-ce que tu penses que ça va amener, en fait, à la suite du Cinematic Universe? On en a parlé un peu avec les morts des personnages, mais qu'est-ce que tu penses que ça va amener, en fait? D'autres films. Perspicace. Perspicace cet homme. Moi je pense. Pas pour rien que c'est mon partner. Perspicace lui. Hey ouais. Simonac, perspicace. Moi je pense que ça va porter. Dans le fond, ça va faire du ménage moi un dans le casting. Donc ça va comme ok là. Tu penses qu'il y a besoin d'un ménage? Mais si. Ben oui, mais c'est pour que l'histoire avance. Je pense pas que c'est pour du ménage. Ils veulent toujours innover dans quelque chose. Donc moi je pense que ça va faire comme un gros ménage pour restarter d'autres choses okay. Par la suite. Genre une nouvelle équipe d'Avengers ou de New Avengers. Moi je pense que c'est ça. Ce film là ça va être parce que cette saga là okay. cet arc là. Un film fait partie aussi selon tu sais comme faut penser aussi côté marketing, là, c'est con là, mais pour Marvel ce qui est bien c'est que là ils ont créé une espèce d'engouement. Parce que c'est grâce à eux que les films de super-héros fonctionnent. Même si je suis un DC fan, on s'entend que c'est grâce à Marvel que les films de super-héros fonctionnent. Ouais. Ils ont mis énormément de temps et d'argent là-dedans. Puis ça nous a fait rêver, fans de DC. Hey, on pourrait avoir de quoi comme Marvel, et ainsi de suite. Mais. Ils ont échoué. Ils peuvent commencer. Ils ont échoué. Ils ont pas.
ont passé le bateau. On va. Je sais pas ce qu'ils font. Ils les passent. Ouais, on verra bien ce qu'ils vont faire pour la suite. Mais tu sais, leur but, le premier, c'est probablement de vendre des BD, c'est de vendre des trucs dérivés, c'est de vendre des jeux vidéo, c'est de vendre tout ce qui a rapport avec Marvel. Puis leur plus grande publicité, c'est quoi? C'est leur film. Donc là, ils ont fait quoi? Black Panther, qui était pas un personnage non plus si connu que ça. Ah, j'ai trouvé carrément, moi, le film. C'était pas un personnage qui était hyper connu par tout le monde. Monsieur et Madame tout le monde, il parlait de Black Panther. Iron Man, oh ouais, le gars en robot. Spider-Man, oh ouais. Pourquoi tu penses que Marvel a monté? Parce que c'était pas en flèche Marvel, justement, les comics. Non, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Fait qu'il faut penser aussi que quand il amène de nouveaux personnages, comme exemple Captain Marvel, mais Captain Marvel en tant que tel, c'est pas un personnage qui est connu. Moi, je le connaissais parce que. Mais c'est une fille, comme. Ouais, c'est une fille, ouais. Je la connaissais en fait parce que. Juste à cause de Shazam, parce que j'ai su pourquoi Shazam avait changé de nom, puis c'était en lien avec Marvel et Captain Marvel, là. Parce que Shazam s'appelait aussi comme ça. Mais, tu sais, c'est ça, à la base, là, il apporte un personnage que pas grand monde connaisse, ou du moins que juste les fans connaissent. Il commence à apporter de plus en plus de personnages comme ça, puis ça va faire monter les ventes de tout le reste. Puis les gens. Normal, c'est l'industrie de la bande dessinée. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je pense que. Oui, ils vont faire du ménage. Donc, tout ce qui est personnages comme Iron Man, Captain America, ont fait leur place. Genre, peuvent laisser de la place aux autres. Puis de toute façon, ils doivent laisser de la place aux autres. Parce que, gars, Guardian of the Galaxy, moi, personnellement, avant de voir le 1, je ne savais même pas c'était qui. Ben, c'est même pas l'équipe originale. Ben, sûr. Ils ont comme refait l'équipe parce que l'équipe originale. Parce que comme Suicide Squad, là. Ouais, Suicide Squad, ouais. En tout cas, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire, tu sais, c'est du marketing, puis je pense que c'est temps de laisser la place à d'autres super-héros, puis justement, on va être bien plus content de faire comme OK, cool, il y a d'autres super-héros qui s'en viennent, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Puis ils peuvent aussi faire ressusciter à un moment donné Iron Man avec un autre personnage. Dans Marvel, puis dans DC, il y a du multiverse. Fait qu'ils pourraient juste faire comme OK, il y a un autre Iron Man, un autre multiverse qui se ramasse là. OK, c'est pas le même acteur, mais c'est facilement. Quoi? Ouais, oui. Dans le MCU? Ouais, oh, oui. Okay, il commence à l'introduire dans le DCU. Fait que... On met DC, c'est d'autres choses. Okay? Là, on parle de Marvel. Hunter, c'est quoi? On parle de Marvel, de MCU. Je sais pas. Je trouve qu'ils sont tellement tight. Ils sont quand même très tight dans leur histoire. Là. Genre, ils vont suivre tout le temps Spider-Man. C'est tout le temps comme le même. Puis, ouais. Soit qu'ils tuent, mais ils passeront pas à d'autres choses si tu veux. Moi, je crois. Ce film-là, ça va être... Non, ils n'ont pas le choix. Ben, c'est ça. Iron Man était dans Spider-Man, il était de façon quand même clean, puis pas trop présent, mais... Puis, tu sais, Spider-Man, ça restait le personnage principal, mais Iron Man était encore là. Fait qu'effectivement, ils sont peut-être pas obligés de le tuer. Ben, c'est comme ça. C'est comme Nick Fury, c'était le seul qui était partout dans tous les films, parce qu'il était tout seul, puis il allait... Ben, c'est ça. Fait que, mais, tu sais, moi, je pense... Pour être franc, est-ce que je veux Iron Man 4? Non. C'est comme ça qu'ils laissent passer à autre chose. Est-ce qu'ils sont obligés de tuer Iron Man ou tuer Captain America ou tout? Non plus. Mais je veux pas. J'aimerais ça qu'ils passent à autre chose. J'aimerais ça qu'ils passent à d'autres personnages. Il y a tellement de personnages en univers. Moi, je pense peut-être pas. Là, j'ai vraiment un flash. Peut-être qu'on peut le tuer. Par pourquoi? Parce que c'est le seul lien direct pour les Avengers. Ben non, là, ils ont intégré. Tu sais, ils intègrent Doctor Strange, ils ont intégré Spider-Man, ils ont intégré. C'est qui la tête de ça? C'est qui que tout ça? C'est Tony Stark. Ouais. Iron Man. Donc, moi, je pense pas que ça va être comme mourir. Quand tu repenses à ça, c'est comme c'est le pilier des Avengers. C'est ouais, mais ils l'ont fait dans les BD, puis ça ne dérange pas. C'est d'autres choses, les bandes dessinées, puis les films. Ils réinventent, mon homme, ils réinventent. Non, mais dans le sens. Excusez, que, monsieur. Je pense, non, regarde, plus j'y pense, puis plus c'est logique qu'ils gardent Iron Man. Qu'ils vont peut-être changer d'acteur, ils vont peut-être mourir, mais ils vont encore avoir Iron Man, qui est le symbole de Tony Stark, qui est le symbole de head office du Avengers, qui est le symbole de. Ok, c'est eux qui sont un pilier. Mais ça serait fun que pendant un moment, il n'y ait pas d'autres films Iron Man. Mettons dans 5 ans. Peut-être qu'il n'y en aura plus. Non, mais ils peuvent en faire d'autres, là, mais genre pas tout de suite. Là, ils pourraient le faire dans 5 ans, mettons. Mais ça. Mais. Captain America a plus de chances de mourir que Iron Man. Je crois. Ouais. D'accord, c'est pas grave. On parle. Thanos, il fait. Moi, je pense que Groot va mourir. Il est ado, là. Là, tu vas finir le emo qui va courir. Il y a un gun, Il y a un Funko Pop avec un gun. Ah, il est cool, Groot. Moi, je pense pas qu'il y a un si gros impact.
vont avoir une scène, là, puis ils vont embarquer, mais ils vont être... Ben, je sais pas, moi. C'est quand même, il y a quand même sa fille adoptive dans le groupe, là. En tout cas, elle va avoir de l'importance. On la voit, anyway, dans, beaucoup dans la... Dans... Est-ce que tu penses... Moi, je pense que les plus importants, ça va être Doctor Strange, Guardian of the Galaxy, Thor. Est-ce que là, si on se fait au poster, plus t'es gros sur le poster, plus t'es important? Alors, regarde le poster, OK? Là, guys, on s'excuse, là. C'est comme un peu improvisé, là. T'as improvisé nos affaires, là? Ouais, mais... Okay, bon, si je regarde ça... Regarde. OK. Mm-hmm. Là, on voit Iron Man, c'est sûr qu'il meurt pas. Captain America est égal à Thor, donc ils vont être pas mal là. Mais Bucky... Non, je pense pas finalement, on peut pas s'y opposer. C'est comme l'important. Je sais que Doctor Strange dit genre... Il est caché, là. C'est une apparition. Bien. War Machine, il y a plus d'impact que genre Doctor Strange dans le poster. Ouais. Je pense qu'ils savaient juste plus où les placer. Là. Peut-être. C'est plus... Il y a un moment donné au nombre qu'ils sont. Là. Ça commence. T'sais, ils ont mis vraiment Spider-Man en avant-plan. Là. Moi, je pense qu'il va être vraiment important Spider-Man. Mais justement, je viens de tomber sur le directeur qui dit qui va être les deux personnages les plus à l'écran. Il va avoir Thanos qui va être le plus à l'écran. Et... j'essaie de lire vite. On s'excuse, guys. Et Thor. Thor. Thanos et Thor. Ben, c'est le seul en tant que pouvoir qui peut se battre contre Thanos. Et là, on parle en termes de temps d'écran. Ça veut pas dire que c'est les plus importants. Hein? Ouais, ouais. Getting the most screen time. Mais Thanos, c'est. Ben, c'est un peu son histoire, on veut pas, là. J'espère tellement qu'ils vont faire quand même ça, c'est encore moi, fait que c'est une bande dessinée, là. Il est vraiment genre, je veux tout démolir, je veux tout détruire. Puis genre, mais ça aurait été nice qu'il fasse un film sur Thanos. Avant, genre, de Infinity War? Ouais. Mais un vrai film de méchant, pas un film genre Suicide Squad. Suicide Squad qui. On peut pas. T'es fou, là, un vrai film de méchant, là. On peut pas comparer Marvel et DC. Non, mais un vrai film de méchant. Y'en a-tu un à Marvel? Méchant. Il y avait des Punisher dans le temps, mais... c'est pas méchant. Ouais. Ouais, quelqu'un qui arrache des yeux, c'est pas gentil. C'est quoi? Qui arrache des yeux puis qui les donne dans un piranha, c'est pas trop gentil. Écoute, l'important c'est de participer. Effectivement. Mais non, c'est ça, fait que pour l'amener de MCU, donc... d'autres films sur d'autres personnages, les personnages comme exemple Spider-Man, Gardien de la Galaxie, ça va être des personnages qui vont rester. Qui est des personnages qui vont du moins avoir leur propre film. Mais pour Captain America et Iron Man, nous on pense qu'il n'y aura pas de suite. Du moins. Mais y a-t-il des affaires annoncées Captain America après? Je sais pas. Ben tu sais, si on regarde mettons la suite des choses, bon, on a Infinity Wars qui s'en vient. Après, on a Ant-Man et la Guêpe. Que ça, je suis. Ça, t'avais dit, me semble que c'est avant Infinity War. Moi, je pense que ça va se passer avant Infinity War. Ouais. Après, il y a Captain Marvel qui s'en vient. Ça va être la suite, moi, je pense. Il y a Avenger 4. Donc, probablement Infinity War Part 2. Ouais. Ben, peut-être qu'il mourra pas tout de suite, là, mais. Mais non. Mais c'est parce que ça. Ant-Man et la guerre, j'ai l'impression qu'ils ont pas le choix d'être avant Infinity War. Parce que ça serait weird que. Mais ils sortent après. Ouais, mais les gars, Wonder Woman. Il va y avoir la suite de Spider-Man. Ouais. Guardian of the Galaxy Volume 3. Ouais. Tout ça. Doctor Strange 2. Moi, je pense que tous ces films-là... Black Panther 2. Écoute-moi. Je pense que tous ces films-là, ça va être genre les résultats d'Infinity War 2. Comment est-ce que je t'écoutais pas? Tout ça va être les résultats d'Infinity War. Ça va être genre les conséquences de ça. Ouais. Comment que chaque personnage va dealer avec ça. Comment que leur monde va dealer avec ça. Puis ils vont refaire un film avec ça. Une nouvelle histoire. Ils vont restarter tout le kit. Ouais. Ça, c'est mon point de vue. La suite 2. OK. Ben, fait que c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal tout ce qu'on avait à dire sur Infinity War. C'est sûr qu'on a pas beaucoup d'informations, on a pas beaucoup de choses à savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Parce que ils ont quand même essayé de filtrer les informations. Même les bandes annonces, ils en disent pas tant sur le film quand ils y pensent. Là. Non, parce que je pense qu'ils ont fait trop d'erreurs de marketing avant que les films puis whatever quoi. Ouais. Puis là, je pense qu'ils vont comme ok, on va se checker. Ouais. Puis ça va être ça qui est ça.
Fait que tout, parce que tout ce qu'on voit dans le truc, là, dans la bande annonce. C'est Captain America le plus. Là. Ouais, c'est de la bastion. Ouais. C'est un peu Thanos qui parle, qui veut juste envahir la Terre, puis qui veut genre péter la gueule à tout le monde. Ouais. Mais tout autour, là, toute l'histoire autour, il n'y a aucun. Mais je suis content parce qu'il montre pas moins les gros punchs. Ça, juste, ben, c'est ça. Fait, juste pour nous faire. Oh, c'est cool, il court avec d'autres personnes en Afrique. C'est ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est drôle parce que dans Civil War, je sais pas comment le lien qui va arriver, mais t'es Black Panther et Captain America sont comme contre. Ils sont comme genre comme un peu en rival parce que les deux. Ouais, mais tu sais, quand t'as Thanos qui arrive sur Terre, c'est pas trop le temps de continuer ta rivalité. Là. Non, non, tu fermes ta boîte puis tu comme que, tu te bats. Tu sais, mettons. Mais il voulait juste venger son père. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons, la Chine envahit les États-Unis. Hillary Clinton puis Trump auraient pas le temps de continuer leur chicane. Ouais, mais je pense pas que Trump va faire comme. Non, c'est un exemple. En tout cas. Mais ouais, tu comprends ça. Okay. On est pas très. Tu te parles-tu à moi dans le futur, là? Oh, oui. Donc, Olivier, ça, tu couperas ça, s'il te plaît, parce qu'on est pas très politique. Bon, d'accord. T'as-tu compris, là? Juste toi, les gens. Oh, oui. Je me revois moi-même. Oh, oui. À moi du futur. Hey, guys, dans le fond, là, cette petite vidéo-là, c'est comme un. Là, j'ai. On recommence parce que j'étais en train de dire à moi du futur. Donc là. Attends, Chris, ça te. Go. Donc là, merci beaucoup. En fait, c'est un petit retour parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées depuis 2018. On s'est comme égaré sur les internets, dans nos vies, le kit, réparation, etc. Donc là, on revient sur YouTube. On revient. Blogs. Je vais recommencer à faire des vlogs. Jusque la vie, tu sais, on contrôle pas tout. Ah. Non, c'est ça. Faut gagner nos vies aussi. Exactement. Avec l'école, le travail. On est de retour. On va aller voir les affaires. Ouais. Moi, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées que je veux parler, que justement, je vais faire des reviews là-dessus. Sûrement que lui, il y a des jeux qui veut faire des reviews là-dessus aussi. Sûrement qu'il y a une vie qui veut jaser lui aussi. Donc, on va continuer à faire des vlogs, des reviews. Des choses comme ça dans les prochaines vidéos. On va surtout se concentrer sur tout ce qui est podcast, vlog. On va essayer de moins s'égarer un petit peu cette année. Ouais. Mais dans le fond aussi, c'est d'avoir du fun. Ouais, exactement. C'est surtout ça, avoir du fun. Essayer d'avoir du fun avec nous. Pour vous qui sont restés à l'affût de ce qu'on vous mettait sur Internet ou sur YouTube, là, merci beaucoup encore de continuer à regarder ça. C'est bien sympa. Puis on va être au Comic Con aussi. Oui, au Comic Con. Oui. Cette année, on va être au Comic Con de Montréal, au mois de juillet. Puis là, on va aller faire un autre. On va essayer d'annoncer un petit peu d'avance la journée qu'on va y aller. Ouais. On ira pas en tant que personne invitée, là. On n'est pas rendu là. On s'invite au Comic Con. On est comme l'ami gossant, là, tu sais, qui s'invite des parties. On s'invite et on paye, tu sais. Fait, invitez-vous, vous aussi, venez. Fait que c'est ça. Oui. Sur ce, soyez geek. Ok, Google. Appelez Tony Stark. Qui voulez-vous appeler? Tony Stark. Désolé, qui souhaitez-vous appeler? Tony Stark. Je n'ai toujours pas compris. Si vous ne l'avez pas déjà fait, énoncez seulement le prénom. Ok, bye!